Connaissez-vous rapidement, connaissez-vous? Afrique de liberté, connaissez-vous? Depuis donc vos différents bords, connaissez-vous Afrique de liberté? Partagez la vidéo. Connaissez-vous rapidement, c'est tout juste un petit direct. Donc, je vais encore laisser le temps à nos frères et sœurs. Voilà, connaissez-vous rapidement. On va parler de la Côte d'Ivoire. On va parler en tout cas de la chute, de la fin d'Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est ça qui est la vérité. Partagez Afrique de liberté, connaissez-vous. Connaissez-vous, je suis en train de partager rapidement. Je suis donc en train de partager rapidement, connaissez-vous. Voilà, je vous ai dit, c'était un petit direct. Donc, partagez, faites comme moi. Partagez, taguez vos amis, invitez vos amis. Afrique de la liberté, connaissez-vous. Soro Kibafori Guillaume en Côte d'Ivoire avant 2024. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se prépare? Mesdames et messieurs, connaissez-vous? 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 Alors, chers amis, Afrique de liberté. Chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples d'Afrique, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien en cette journée de samedi 11 novembre 2023. Bienvenue sur Côte d'Ivoire 2020. Je suis donc votre serviteur, Lamanak Bafé Côte d'Ivoire 2020, qui est tout simplement aussi votre chaîne d'information sur YouTube qui vous informe sur tout ce qui se passe dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et aussi au-delà de l'Afrique. Alors, chers amis, Afrique de liberté, comme je l'ai dit tantôt, Guillaume Kibafori Soro rentrera-t-il en Côte d'Ivoire avant 2024? Qu'est-ce qui se prépare à Abidjan? Dramane Ouattara qui empoisonne en tout cas ses opposants. La vérité aujourd'hui, elle est là. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Rapidement, ensemble, on va écouter la vidéo. Parce que quand nous on parle, les gens pensent qu'on parle parce qu'il faut parler. Nous, on connaît déjà l'homme. Ici, sur Côte d'Ivoire 2020, vous connaissez ma position vis-à-vis de Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui le connaît si bien, qui en a marre, qui est fatigué. C'est-à-dire, c'est un fardeau qui pèse tellement, qui est sorti, en tout cas, pour dire aux Ivoiriens. La vérité, cette vérité, elle est là depuis longtemps. Mais toujours, je le dis, on connaît la vérité. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le blâme en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Afrique de liberté, on va tout à l'heure écouter, en tout cas, ce monsieur qui nous parle d'Alassane Dramane Ouattara, le monstre, le sanguinaire, le sang-cœur. Et la rentrée de Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire qui sera très fatale pour ce gouvernement moribond. Parce que Soro arrive. Avant 2024, là, quelque chose en tout cas est en train de se préparer. Soro arrive en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, on vous a dit, jusqu'en 2024, il faudrait que ça soit fait. Sinon, ça sera peine perdue parce qu'il est en train de s'enraciner. Il faut maintenant commencer, en tout cas, à positionner, si on peut le dire ainsi, les machines. Là où se trouvent les racines de Dramane Ouattara, il est coupé un par un. Avant 2024, il faut que ce monstre soit à terre et ça va se faire, ce n'est pas un débat. Tout je le dis, ça va se faire et ça sera sans bruit. On va écouter rapidement ces deux extraits. Et tout à l'heure, je vais essayer d'intervenir si on a encore le temps. Rapidement, écoutez en tout cas ce premier extrait qui parle du monstre Alassane Dramane Ouattara. Et rapidement, on va aller écouter en tout cas ce deuxième extrait qui parle de la chute du monstre. Le visage du monstre et la chute du monstre. Ça va arriver. Écoutons ensemble ces deux extraits et à tout à l'heure. On y va. Pompez les pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner sur Côte d'Ivoire 2020, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Abonnez-vous massivement, je vous prie. Taguez vos amis, invitez vos amis. N'oubliez pas en tout cas d'aller vous abonner aussi sur le compte Côte d'Ivoire 2020 TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, cliquez sur le lien automatiquement.
vous êtes redirigé sur le compte TikTok. Abonnez-vous, taguez vos amis rapidement, on va commencer le direct débat. Écoutons donc ces deux extraits, très très capital, très très importants. Protégez-les avec des pouces bleus et à tout à l'heure. On y va. Imposer la terreur. Vous voyez, sur le Ouattara, c'est sanguinaire. Tous les opposants qui ont voulu rentrer en Côte d'Ivoire et qui rentrent, on les laisse rentrer quelques temps après, on trouve le moyen de les mettre en prison. Je prends un cas, le cas le plus patent, Blaise Blechard, dont on vient de faire les funérailles à Paris. Blaise Blechard est mort, mais de quoi est-il mort? Blaise Blechard a fait des études informatiques aux États-Unis. Quand il est arrivé à Abidjan, c'est Blaise Blechard, c'est à lui que Gbagbo a chargé de former l'administration ivoirienne en informatique. Donc au moment où Gbagbo quittait le pouvoir, l'administration de Côte d'Ivoire lui devait plus de 500 millions en dette. Après le départ de Gbagbo à La Haye, Blaise, qui n'avait pas d'autre fonction que de faire son métier d'informaticien, a réclamé à l'administration de Côte d'Ivoire. Puisque toute administration est la même, qu'elle change de président ou pas. Donc il a demandé à l'administration Ouattara qu'on lui donne les 500 millions que l'administration de Gbagbo lui devait. Les pro-Ouattara, je ne pourrais même pas dire les alassanistes, ont conclu que Blaise Blechard avait fait un coup d'État. Donc on l'a arrêté, on l'a mis à la maca. De la maca, quand il est sorti déjà en mauvaise santé. Quelques temps plus tard, on lui envoie une fille du Nord. Et c'est la fille du Nord qui l'empoisonne. Un mois après, il se retrouve avec un ventre ballonné. Et aujourd'hui, il est mort. La Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est comme ça, elle fonctionne. Je peux citer d'autres cas. Banzio. Robert Banzio. Banzio a soutenu devant Ouattara qu'il fallait que la question des terres, du foncier rural, qui a été voté en 98 par le gouvernement majoritairement PDCI du Parlement, que Ouattara ne touche pas au foncier rural. Et comme les Burkinabés sont venus par village entier pour occuper carrément l'Ouest, le Grand Ouest, je parle, où les guerriers chaque jour sont tués comme des lapins pour qu'on récupère leurs terres. Ouattara a considéré que les propos de Banzio sont irrévérencieux. On l'a invité au palais. Aujourd'hui où je te parle, ça fait bientôt 2 ans que Banzio est atteint d'un cancer du cerveau. Son crâne est en décomposition avancée. Vous parlez de quel Banzio? L'ancien ministre? Robert Banzio. Robert Banzio. L'actuel ministre dans le gouvernement. C'est même pas s'il est encore ministre dans le gouvernement. C'est un gars du PDCI ADA. Le président du conseil régional du Cameroun. Oui, c'est le même Banzio dont je parle. Dagobert Banzio. Dagobert Banzio, voilà. Actuellement, il a le cancer. Alors, encore un autre cas. Je l'ai dit à Ali Traoré, le représentant de Ouattara à Londres. Je lui ai dit. Il dit, les dossiers de Ouattara, je les ai. Monsieur Zadi Kessi, celui qui soutient Ouattara, le représentant de Bouygues en Côte d'Ivoire, qui a été nommé président du Conseil économique et social, qu'est-ce qu'il a refusé? Il a refusé la formation du Conseil économique et social par des membres du RDR et du Nord décidés par Ouattara. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il fait les allers-venus entre Abidjan et Paris. Lui aussi, c'est la présidence qu'on a empoisonnée. Des cas comme ça, il y en a plein. Vous êtes à Paris, vous parlez de ça, et d'où est-ce que vous tirez toutes ces informations? Je suis un journaliste, ça fait au moins 30 ans que j'exerce ce métier à Paris. Donc les dossiers, je les ai toujours. Guébé Emmanuel, un jeune bétier de Guibérois qui était à Lille ici. C'est notre ami Jean-Pierre, qui est son ami personnel, qui l'a conseillé à M. Dosso Moussa, qui est l'actuel ministre. Je ne sais pas de quoi il est. Il a même ta mère d'Agboville qui dit. Comment est mort Guébé Emmanuel? On a conclu qu'il a apporté des informations à Gbagbo. On l'a invité à un repas. Après le repas, c'est dans les toilettes qu'il est mort. Il n'a même pas bougé. C'est pas le lendemain, c'est le même jour. Toutes ces personnes, vous les connaissez ou c'est des informations que vous avez comme ça? Je connais des personnes, la question. Mais vous avez aussi un ami dont on ne parle plus, Tony Oulaye. Qu'est-ce qui devient ce monsieur-là? Tony Oulaye n'est pas mon ami. C'est un...
à nouveau devant cette caméra. Rappeler aux uns et aux autres que Guillaume Soro va finir par rentrer en Côte d'Ivoire avant l'année 2024. Quand j'avais fait ma précédente vidéo en disant que Guillaume Soro avait été arrêté, oui, le gouvernement ivoirien avait envoyé des magistrats et quelques hommes en tenue pour pouvoir mettre la main sur Guillaume Soro. Mais comme la Turquie n'est pas la Côte d'Ivoire, la Turquie n'est pas un pays africain, alors avec la bataille juridique, les avocats de Guillaume Soro ont pu prendre le dessus sur les envoyés du gouvernement ivoirien, raison pour laquelle le gouvernement ivoirien a perdu le duel. Et donc, suite à ça, Soro Guillaume a bel et bien échappé à cette arrestation. Il faudrait que les gens le sachent, il faudrait que les gens le comprennent. Mais je vous affirme ce soir que Guillaume Soro va finir par rentrer en Côte d'Ivoire en 2024. Et donc, ceux qui sont agités dans cette histoire de non, Coupe d'Afrique qui va se jouer en Côte d'Ivoire, je lance un appel à tous les pays de l'Afrique qui vont vouloir aller en Côte d'Ivoire pour jouer la Coupe d'Afrique. Évitez, s'il vous plaît, les villes du Nord. Korogo, Bouaké, évitez ces villes-là parce que ceux qui vont s'y rendre pour essayer de résider là-bas en espérant voir une Coupe d'Afrique se jouer sur cette partie de la Côte d'Ivoire, non, vous tirez à terre et c'est une erreur faramineuse. C'est une erreur que vous-même vous allez regretter. Et donc, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais évitez ces villes-là. Parce qu'avant 2024, Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Et moi, je ne suis pas un militant de Guillaume Soro, tout le monde le sait. Voilà, je suis un progressiste. Donc, l'incontournable est un progressiste. Je soutiens ceux qui font du bien et je déteste ceux qui ne font pas du bien. Et donc, j'ai été pro-Gbagbo dans le passé. Voilà, je l'ai soutenu avec audace, avec niaille. Et à un moment donné, j'ai soutenu Alassane Ouattara pour battre campagne et lui permettre de venir au pouvoir. Mais quand je vois certaines choses, en voyant les Ivoiriens ont fui le pays par milliers, par centaines, par millions, et les voir mourir dans la mer, dans la Méditerranée, se faire déchiqueter par je ne sais quoi, cela me blesse le cœur et je ne peux pas accepter. Sachant bel et bien qu'on nous montre des ponts, on nous montre des routes en disant que non, la Côte d'Ivoire va bien. Oui, ça allait aller bien si des infrastructures étaient construites dans lesquelles le peuple ivoirien allait travailler. Mais on nous construit des infrastructures où les gens ne peuvent pas aller travailler. Je n'en disconviens pas, le développement d'un pays passe par les routes et les ponts, je n'en disconviens pas. Mais pendant que ces routes et ces ponts sont construits, il faut aussi construire des entreprises pour permettre à la jeunesse d'y travailler, pour permettre aux gens d'être occupés. Mais non, on ne le fait pas. On ne le fait pas, on crée des trucs, des postes bureaucratiques. Et la population est délaissée. Donc, ces gens sont obligés d'aller se vendre dans les pays maghrébins pour je ne sais quoi. Donc, si ce gouvernement quitte, alors ceux qui vont venir, ils seront les bienvenus. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive le peuple ivoirien, vive la Côte d'Ivoire. Ciao, on était ensemble. Et sachez bel et bien que avant 2024, alors chers amis, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples d'Afrique, chers peuples de Côte d'Ivoire, c'était l'intervention de votre serviteur, votre fils, votre frère, votre ami. Voilà, la mère Bafé. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette journée. Donc, de samedi 11 novembre 2023, excellent week-end à vous depuis vos différentes positions, en tout cas, depuis vos différents bords, excellent week-end. Que Dieu soit avec vous, qu'Allah vous assiste, on est ensemble et n'oubliez pas en tout cas de partager, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes un nouveau, nouvelle, n'oubliez pas en tout cas d'activer comme ça la cloche de notification. Voilà, quand vous abonnez, il faut activer automatiquement la cloche de notification pour ne rien rater, c'est très important. On est ensemble, bonjour chez vous et ce soir, on sera encore ensemble pour une autre directe. Bonjour chez vous.